Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle. Et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? Apati alelo na komisio intouchable. Amen. Na komisio bino invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya tenye wa. L'amour de ta présence suffit. Alléluia. Pour combler le cœur. Une verge dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer. Une berge dans ta présence.
Emmanuel, nous t'adorons. Notre force, nous t'adorons. Notre victoire, nous t'adorons. Notre joie, nous t'adorons. Seul toi est digne de louange. Nul autre, seul toi. Parmi tous les dieux, nombreux se sont autoproclamés et sont morts sans se ressusciter. Seul toi est mort et ressuscité. Et tu es éternellement vivant. Et tu manifestes dans le monde. Afin que le monde sache que tu es vivant. Aujourd'hui encore, prouve-nous que tu es vivant. Touche tout un chacun de nous. Et nous jurons rendre toute la gloire à toi. Merci pour nous, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le témoignage de l'obico de délivrance na vie à Balandignos. Merci pour les témoignages des guérisons et délivrances. Tu les touches chacun là où il est dans sa maison. Tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu grand Dieu. Nous t'adorons. Et tu tombes au lion na cute à l'élo. Et on s'écoute, nous t'exaltons. Nous disons, prends ton chemin. Par ton Saint-Esprit, prends le contrôle. Contrôle absolu. Te laissons l'accès, prends contrôle absolu. Et nous jurons de rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Mbote na bino banso, bisika bozali, bozola na biso na ngonga oyo na pale. Zambi nangaye azala zambi na bino. Zambi nangaye apambula moko na moko na bino. Et je vous salue tous de partout, vous nous suivez, que vous soyez à la maison ou à autre lieu, que mon Dieu soit votre Dieu et qu'il vous bénisse. Malgré que tozana confinement, mais zambi bakoko confiné ete. Bien que nous sommes en confinement, mais Dieu ne peut être confiné. La puissance de Dieu ne peut être confinée. Voilà pourquoi je sais qu'il te touchera de l'enfer. Au nom de Jésus. La fois passée, Valéleki, na culte na biso ya dimanche, à notre culte du dimanche, tolobi na oyo etali l'efficacité de la parole de Dieu. Nous avions parlé concernant l'efficacité de la parole de Dieu. Je nous ai montré qu'en ces temps dans lesquels nous sommes, il faut que parce que devons être des croyants de la parole, parce qu'avec ce que nous vivons aujourd'hui, il y aura la distanciation. Et comme un mètre. Il faut garder la distance. Mais un mètre, on n'a pas que ce que vous avez dit, mais il y a l'iloba. Et puis, ce miracle n'a pas été. Et bien que soit la distanciation sociale, si tu es un croyant de la parole, cela ne va pas empêcher. Il y a un de tes autres la efficacité à l'iloba, c'est-à-dire à toi aux amours, c'est qu'à des la nanga nanda, aux amis à coco simbayo, à ta tosangani boye, à toi aux amis à zambi à coco, aux amis à besoin de na simbayo boye, zambi à coqui copi qui sayo na musika, à zo sala yango mukolo yonso. Il y a un de tes autres la sabino, pona ko préparer mouté manayo, pona ngonga ya tango ya saison oyo tu komi. Dieu peut faire au-delà nanzela ya liloba naye parce que sa parole est lui-même. Voilà pourquoi nous préparons vos cœurs, parce que Dieu peut faire au-delà de ce qu'il fait. Nous pouvons être là, que tu sois dehors, que tu sois loin, seul par la parole de Dieu tu seras impacté, tu seras touché. Yango depuis dimanche tu banico tala l'efficacité de la parole. Voilà pourquoi depuis le dimanche nous parlons de l'efficacité de la parole, l'impact de la parole, ce que la parole de Dieu peut faire. Le mot efficace n'a défini en dimanche. J'essaie de définir l'efficacité. N'a défini en je l'ai défini. Dimanche. Dimanche. Na lobby. Je dis. L'impact de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu peut faire. Influence yaliloba. Et là, on dit que c'est la question qui est commis ici comme on peut voir. Na yango tobani kotala. C'est alors que nous avions commencé à voir. Ba point moko na moko.
Nous avons commencé à voir certains points. Pas nous allons commencer à voir. Yango to bandi kotala. Tout to bandaki depuis dimanche. Nous avions commencé à voir certains points. Alléluia. Amen. Totali dimanche. Le dimanche nous avions vu que mon corps Eza yeba ke liloba ya zambe, sachez que la parole de Dieu vivre pour toujours. Et il y a le besoin de mon akezate yeba te liloba na zambe eza seko. La parole de Dieu ne mord pas. Liloba na zambe akufakate. Totangaki yango na 1 Pierre chapitre 1 verset 23 à 25. Nous l'avions lu dans le premier livre de Pierre chapitre 1 verset 23 à 25. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu ne meurt jamais. C'est comme la semence de la mort. Même si elle est sec. Dès les noyaux du monde, dès qu'elle trouve une terre qui est fertile et qui est humide, elle va commencer à pousser, bien qu'elle soit déjà sèche. Et même la parole de Dieu, dès qu'elle trouve ton cœur qui est fertile, elle va commencer à pousser de fruits. Wana dimanche, Il faut zonger la culture dimanche en ligne, Hollande. Deuxième point, la parole est invisible. On ne les voit pas, mais on voit ses effets. Comme Dieu, tu ne les vois pas, mais tu vois ses effets. Comme le vent, tu ne les vois pas, mais aux autres vivre, il fait ya mon pépé, dingue aux autres pépa. Ils ont même ma salité, coco pico la batoitule, et qu'on tombe la bilamba et bois qui poussière. Aux autres, il fait ya mon pépé. Est-ce que aussi au moni mon pépé na vie na yo? De même, l'iloba, quand ça sort, aux autres, quand ça sent à lobby, mouto à lobby, mais aux autres, mon athée, mais et ça n'a pas effet. Et de la même parole, la parole de Dieu, tout elle est déclarée. Tu peux entendre le son, mais cette parole, tu ne vas pas la voir. Yango na dernier jour oyo. Na mikolo oyo suka. Matéa oyo, ils appuient à préparer yo pour na dernier temps oyo. Ce message est pour préparer ton cœur pour ces derniers. Oye, baké, liloba ya zambe koko sali sa yo na niveau yoso. Que tu saches que la parole de Dieu peut te venir en aide à tout niveau. Sans que bache loboko. Sans pour autant qu'on dépose là. Na lobiango depuis 2018, 2019, des années même na lobakago. Que il faut tous la bandimi ya liloba. Oyo ton dimi liloba zambe na mubeso. Et il y a plusieurs années passées même que je le dis, nous devons être des croyants de la parole de Dieu qui croient la parole de Dieu toute telle qu'elle est. J'ai l'habitude de dire ça tout le temps. Tu peux venir ici, bazo tiye lobo koti suki na yo eliami o komi libandineti walelo chilo. Mais et loko ikosale mate, il faut zalana yende na izaka comme exemple na ngai na makamwana parce que hier azana suki te azana libandi. Na linga kasuki mutu na ewana. So atana tiye lobo koti suki sila na mutu. Ce qui osa na kondima na kati ya lilobate et loko mokote et ko créer effet mokote so ngonga yango e ko makamo ya emet e ko makamo ko ziba mutete po mais biso tozo banga loko mokote mais pona yo il faut zana na kondima ki atamo sakoli ya telemi a permisi parole osa na suka ya mokili e ko créer effet na vina yo. Même si tu viens que je t'appose la main jusqu'à ce que tu sois chauve, si tu te proposes à la parole de Dieu, il n'y aura aucun effet. Mais si tu crois la parole de Dieu, brute, même si tu es loin, cette parole va créer de l'effet dans ta vie. Posez-nous école de guérison. Nous sommes à l'église. J'aimerais que tu saches. Même pas sa parole. Dieu est à même de te guérir. La seule chose, c'est de croire. La parole de Dieu est illimitée. On ne peut pas limiter Dieu. On ne peut pas limiter sa parole. Amen. Tu peux pas limiter Dieu. Oui, côté le misanzambété. Limiter parole na été.
Est-ce que yo koko te limsa mon pépé? Peux-tu stopper le vent? Non. Ce que koko te limsa mon pépé. Parole oyo sali mon pépé. Oyo créa ki mon pépé. E créa ki mbula. E créa ki mokili. Na yo parole wana moi oti mutubo kwa te limsa ngo azate. Et si tu ne peux arrêter le vent, c'est ce que la parole qui a créé le vent, la pluie. Même vous qui m'entendez, sachez que nul ne peut stopper. So, moko ya caractéristiques ya parole. Une des caractéristiques de la parole. A pas de a pas que il vivre, il ne meurt pas. A pas que selon numéro 2, il est invisible. Moko ya caractéristiques ya parole. Et ça, parole est illimité. Limitation, au coquico bloqué été. Si ça sort, ça sort. Et qu'on est dans l'extrémité de la terre. Ma coche, capalata. Caractéristique, nous soucions l'Iloba et l'Ini et Zanini. L'Iloba Azala Canandelote. Ce qui l'Iloba Assi Abimi, y a Abimi, au coquico Peki, c'est à côté si Kamoko. Ayama yata tata patala paya katamaya takaba. Au coquico Peki sali lobate. Si ça sort, ça sort. Aza esprit, battez les misakayés. Tu ne peux pas empêcher la parole de pénétrer quelque part. Dès qu'elle est déclarée, elle est déclarée. Et l'esprit ne peut être arrêté. Yagouana, il faut tous la bandimi. Oyo, bandimaka, l'ilobayazambe, à 100%. Voilà pourquoi nous devons être des croyants, des chrétiens qui croient en la parole de Dieu dans sa totalité. Alléluia. Amen. Parce que poète, parole, la parole est illimitée. Azala kanande loté. Pas de limitation. Ayebie petisse loté. Alléluia. Amen. Azana mbapapo. Elle a des ailes. Avolaka. Elle s'envole. Elle s'envole. Tout le monde est battu sans qu'il n'ait imposé ma boko na musika na France biscayon sur Bazali ba biki samina kindoki oyo ya bangoya soki nini natanga koma ba biki sami bato bazo bika na toutes sortes mais na nzela ya parole. Et nous avons suivi divers témoignages des délivrances, des guérisons, même depuis la France, par la simple parole, sans contact physique. D'ailleurs, olingolingate, tu es obligé comme un chrétien à l'homme, parce que balobi, un mètre, ce qui deux mètres, ce qui nini, c'est quoi, qu'on s'arrête nini. Il faut un diman lilo. Il y a un des deux autres talisayo, l'efficace. Oyeba, nguya, impact à l'homme. C'est que la parole de Dieu peut faire. Comme ça, on connecte quand la parole sort, on y ambiango et au commun à bikama et qu'on s'est produit la vie naïo. Et que tu ne le veuilles pas, tu dois être un croyant de la parole parce qu'il y aura des mesures qui seront prises, il n'y aura pas de contact. Et voilà pourquoi nous préparons votre cœur afin que vous soyez à même de recevoir, de croire en cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Tokotanga Romain. Nous allons lire dans le livre de Romain. Romain. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni. Alléluia. Amen. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. À partir du verset 10. Banane 17 pour une bonne compréhension. 17, 18, 10, 18. Romains chapitre 10, verset 17, version d'Arby. Ouais. Ainsi la foi est de ce qu'on entend, oui, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Verset 18. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Oui, certes, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre. Leur voix et leur parole jusqu'au où? Aux extrémités de la jusqu'au terre. Jusqu'au où? Aux extrémités de la parole terre. Parole est une limitation. La parole ne connaît point de limitation. Donc on a zo lobawa. Dès que j'ai connecté koni manayo. Connecte ta foi. Attends ça wapi. Aux en France, aux en Belgique, aux en Chine, aux en États-Unis, liloba yazambe ko simba yo. En Europe, en Asie, en Amérique, la parole de Dieu va te toucher. Tous en ba témoignage tondi. Ba témoignage zawana. C'est juste ici ba bazo pika en cascade. Il y a des guérisons en cascade. Kaka nanzela ya matea
juste par la prédication de la parole. La prédication de ce dimanche a généré nombreux témoignages. Que ce soit un message écrit ou audio, on va vous le montrer et vous verrez. La Bible dit, le Balanzambe lobi, et si elle, bimi, elle est déjà liloba, la parole, sans y aller, tina extrémité de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Qui peut arrêter ce qui est appelé esprit? Illimité. La parole de Dieu est illimitée. Elle ne connaît pas de limitation. Instoppable. Elle est instoppable. Ok. Version top. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de la prédication. Et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Verset 18. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu? Mais si, par toute la terre a retenti leur voix et jusqu'aux extrémités du monde leur parole. Jusqu'aux extrémités du monde leur quoi? Leur parole. Version Lingala Monde Nouveau. Versets 17 et 18. Yango wana, tondima eutaka na likambo oyo moto ayoki. Pe likambo oyo moto ayoki eyaka na nzela ya liloba ya Kristo. 18. Nzoka nde nazali kotuna. Bayoka ki boyete. Ya solo. Lokito na bango eyokani na mabele mobimba. Pe maloba na bango kino na nsuka ya mabele esika bato bafandi. Etambolaka. Bien aimé, natongo alelo. Ce matin, yamba visitation ya liloba. Reçois la visitation. Nalobe yamba visitation ya liloba. Amen. Il est écrit. Et que mama. Dans Luc chapitre 5, la Bible dit, Baoudi bipa yonso, na ba village environ, ba yeko vanda, na pse ya makula yesu, pona ko yoka liloba ya zambe. Et la puissance de Dieu était présent. Pona ko sekisa bangote, mais pona ko bikisa, pona ko kangola. Nenge yo pezo yoka liloba, yamba lobiko, yamba délivrance na yo, yamba lobiko, na lobi yamba délivrance na yo, na kombo na yesu masi. La parole de Dieu dit dans Luc qu'il venait de toutes les bourgades aux environs, il venait écouter la parole de Dieu. Et la puissance de Dieu était là pour guérir, pour délivrer. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu était là pour guérir et pour délivrer. C'était pas là pour leur faire. Non, non, mais pour la kokangola. Mais pour délivrer. Merci en parole vivante. Romains chapitre 10, verset 17. Donc, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Verset 18. Mais alors, les Israélites n'auraient-ils pas entendu prêcher l'évangile? Certes, si, car il est écrit, la voix des prédicateurs de la bonne nouvelle a retenti par toute la terre. Leur parole est parvenue jusqu'aux confins du monde habité. Alléluia. Amen. Confins du monde habité. Alléluia. Yes. Praise the name of Jesus. Alléluia. S'il n'y a plus Luc chapitre 5, s'il vous plaît, verset 15 jusqu'à 17. Luc chapitre 5, verset 15 à 17, version Darby. Et sa renommée se répandait de plus en plus. Et des grandes foules s'assemblèrent pour l'entendre et pour être guéries de leur infirmité. 16. Mais lui se tenait retiré dans le désert et priait. 17. Et il arriva. Il arriva.
L'un de ces jours qu'il enseignait, et des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de chaque bourgade de Galilée et de Judée et de Jérusalem étaient assis là. Et la puissance du Seigneur était là pour le guérir. Baye, bavandi. Ils étaient là, ils étaient assis. Tango ye azo enseigné. Azo enseigné nini. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Pendant qu'il enseignait la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui était là? La puissance du Seigneur. La puissance de Dieu. Amen. Était présent pour guérir. Amen. Dengozo landangai. Ata ozako bela. Amen. Si tu es malade. Na libéré nguya ya Zambe à travers de sa parole. Amen. Écoute la yo et bikisa yo. Amen. Et kango la yo. Yamba lo biko na yo. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Dieu et sa parole sont un. Zambe na lo manaye bazamoko. Ce que Dieu va faire, sa parole le fait aussi. Oyo Nzambe akosala liloba na ye pe akosala yango. Nguya oyo Nzambe atondi nango parole na ye pe etondi na yango. La puissance dont Dieu est rempli, sa parole de même en est remplie. Na lobi yango na culte ya dimanche, sa parole lui représente à 100%. Na loba ki dimanche que soki oyoki liloba na Nzambe oyoki nde Nzambe na moto. Ce que Dieu est, sa parole l'est aussi. Jean 1:1 nous avait dit que au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Et là, mon candidat Jean le dit, n'aie pas de l'obazalaki, l'ongona Nzambe, puis l'obazalaki Nzambe. Dans même Jean 1, verset 14, la parole de Dieu nous a dit, soit 12 à 14, d'ailleurs, le dit, cette parole était manifestée en chair. En personne de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on a dit, Yohane, il a dit, « Bongo liloba, akoma ki moto, oto bengi Christ ou Yesu. » Akoma ki moto, oto bengi Christ. Akoma ki nini? Moto. Alléluia. Amen. Et nous avons vu sa gloire, selon Jean 1, verset 14. Et tout le monde a dit, « Kembo na ye. » Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas séparer Dieu et sa parole. Les deux sont un. Ngonga ya parole, les ngonga ya zambe. Le temps de la parole, c'est le temps de Dieu. Quand la parole sort, Dieu sort. Oh, ma shabadaba daba. Natongo alelo dengezo la nanga life. Quelques motimos en live. N'a déclaré et n'a décrété délivrance na yo, guérison na yo, au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je décrète ta guérison, ta délivrance. A ta problème na yo eza denge nini. Quel que soit ton problème. Na lobi yamba visitation divine. Yamba intervention divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Na Jean 1 verset 14 et la parole devient chair. Moni. So, Dieu qui est et la parole devient chair et habita au milieu de nous et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un fils unique de la part du Père, plein de grâce et de vérité. La parole est devenue chair. Qui est cette parole qui a devenu chair? Chair là, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Jésus est qui? Dieu. Amen. C'est-à-dire, Dieu et sa parole sont un. Amen. Zambe na liloba na ye bazamoko. Wana Jean 1:14 alobi, bongo liloba akomaki moto. Écoute-moi. Yoka. Si la parole a devenu chair, lelo cette même parole ekoki kokoma chair na yo. Ayama katabaya. Parole wana ekoko bongo na ekomi mwana na kati na yo. La parole a la capacité de se métamorphoser. Et Bongwanaka. Ponayo et Kokokoma matrice. Elle peut devenir. Ponayo et Kokokoma moana. Elle peut devenir ton. Ponayo et Kokokoma guérison. Elle peut devenir ta guérison. Ponayo et Kokokoma nyonso. Elle peut devenir n'importe quoi. Il a la capacité de se métamorphoser, de se transformer. Bisoyons sur ton monidengue parole. Tous avons vu comment. Il se métamorphose.
métamorphosé. C'est métamorphosé. Maï est commis et métamorphosé. Maï est commis vino. L'eau s'est changée en jusqu'à un mot. Il l'a manqué. Rempli le vase d'eau. Botton dit ça. Va remplir. Va les servir. Va servir. Ils ont servi. Cette parole et métamorphosé maï et commis vino en vin et changé et transformé. Transformé. Je ne sais pas quel est le désir de ton cœur. Mais il y a une métamorphose. Il y a une métamorphose de la parole. N'a décrété transformation. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Version français courant. Celui qui est la parole est devenu un homme. Oh, Mashabadaya. Il est devenu quoi? Un homme. So, ce so qui a commis un homme, a commis un lobby. My God. A commis un percé pour nous. Il est devenu ta percé, ta guérison. Ce so qui a commis un homme, s'il devient un homme, a commis une élévation pour nous. Il est devenu l'élévation pour toi. A commis un lobby pour nous. La guérison pour toi, bébé. Comme un bébé, moi. Yes, un enfant. Parole bibi, comme moi, na katia libu munayo. La parole déclarée devient un enfant dans ton sein. La parole est esprit. Biloba aza molimo. La parole est mystique. Biloba aza lo lengi bagboroso solate. Oh yes. Amen. Mashaka pa oyoki makama lobi mystique lobi ozo comprendre. Amen. Ils sont mystérieux. Amen. Otangi na géographie, na science, na histoire, mais nzele kokani ezaka kate. Ma chobra, Yango, attends-toi des miracles. Attends-toi des miracles extraordinaires. Parce que la parole a la capacité de se métamorphoser. Yo misela ou yamba penza bikamo ou yeleke laka. Pour te liloba, azana makoki ya kobongo anabe ya kobongo la nyoso. Alléluia. Version des livres. Il n'est pas seulement illimité. La parole a la capacité de se métamorphoser. Ça c'est un autre point. Alléluia. Amen. Version des livres, Jean chapitre 1 verset 14. Et le Christ est devenu un être humain. Et le Christ est devenu un être humain. Ok. Un être humain. Ce qui a devenu parole est devenu. Yes, si la parole est et qu'on devenu pour na yo yo soiza posa mutemana. Le même effet devenu pour toi tout ce qui est désir de ton cœur. Ma sobro zokoto boriala. N'oublie pas là où nous venons. Obo sanate sika to uti. Que moko ya karasa sika parole. Une des caractéristiques de la parole. La parole ne ment pas. Lobaku fakate. Après Tolobi, la parole est vivante. Troisième point, Tolobi, la parole est illimitée. Maintenant, Nazoloba, la parole a la capacité de se métamorphoser. S'il y en a tanga, s'il n'y en a pas, on part. Jean 1, verset 14, Lingala Makanza. Liloba akomi mosuni. Ce qui a commis mosuni, ndeko, akokoma mwana na kati na ye. Amen. Come on. Ataba longoli o Trump, akokoma Trump yasika na kati na ye. C'est possible. Même si on a fait l'ablation de Trump, elle peut devenir de nouvelles trompes en toi. Écoute. Au commencement, tout était noir. Tout était sans forme. Et Dieu dit. Dieu a prononcé la parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. La parole est créative. Foyez Bayango. Tu dois le savoir. Alléluia. Amen. Parole est anini. Créative. La parole de Dieu est créative. Elle a la capacité à créer. Elle a la capacité de créer. Alléluia. Amen.
Et l'iloba est commis moussouni. Et la parole devint chair. Parole n'a zo déclaré Eko Baluka est commis organe wana oyo ezi bébé na kazina yo. La parole que je déclare peut se transformer en cet organe détérioré dans ton corps. Voilà pourquoi tu l'obis car la parole a la capacité d'essayer. Métamorphosé. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Oligami. Pourquoi nous parlons de l'efficacité de sa parole? Et comme ngonga oyo biso bana nzambe, il faut tout susulake, il faut tout yambali loba. Atana musika et kobotsa miracle nyonso tozana ngo posenga. Parce que liloba eza esprit. Liloba eza zambe. Zambe na liloba na ebaza moko. Zambe za molimo liloba na epe za molimo. Et nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, devons croire que la parole de Dieu a la capacité de faire tout, car la parole de Dieu est esprit, Dieu est esprit. Ce que Dieu est, sa parole l'est aussi. Alléluia. Amen. Yango, il faut tout y avoir caractéristique, n'aie, parce que la parole est efficace. Voilà pourquoi nous devons connaître ses caractéristiques, parce qu'elle est efficace. Et koko sala yonso. Elle peut faire tout. Yonso. Yes. Tout le monde que la parole de Dieu a la capacité de se métamorphoser. Nous avons vu que l'ilobananzamba zana marokia kobongwama. Maintenant, tout ce qui est un autre point. Nous allons voir un autre point. À part la métamorphose. Laisse-moi te dire ici, avant tout que ne musika na katia ba matia poto zokoba. Tipena lobana osikoyo. La parole liloba de Dieu est esprit. Je répète. La parole de Dieu est esprit. Liloba na Nzambe azam molimo. N'oublie pas Jean 1:1 à l'obi. Au commencement était la parole est avec Dieu. Cette parole était Dieu. Le bon sénateur lobi n'a pas né le bazalaki, le monan zambé, mais le bazalaki zambé. Et cette parole a manifesté en chair, verset 14. Et le bawana a komaki moto. Maintenant, tu sautes, tu connais Jean 6, 63. Yesu a lobi, mes paroles sont esprit et vie. Dans le livre de Jean 6, verset 63, il a dit Malobangana lobi, ezali mon limo pe bomoy. Dieu est esprit, Jean 4, verset 24. Et Jean 6, verset 63. Yesu alobi, mes paroles sont esprit et vie. Zambé azamo limo nde lobami na Jean 4 et na Jean 6. Yesu alobi, ma lobananga ezamo limo pebo moi. Ce que sa parole est, ce que Dieu est, sa parole est. Oyo Zambé azali, li lobana epe azali. Tanga ponanga, s'il te plaît. Jean chapitre 6, verset 63. Oui. Version Darby, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont d'esprit et sont vie. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. Yesu alobinini. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus est Dieu. Il est la vie. Sa parole est la vie. Jésus est esprit. Sa parole est esprit. Vous voyez? Quand la parole vient vers toi, reçois cette parole, c'est Dieu qui te visite. Azana guya yoso oyo yebi ke zambe azana ngo parole et tout ça ma même capacité. Et toute puissance dont Dieu est revêtu, cette parole là aussi.
Ne crains rien. Tout le monde a tout réfléchi. Réfléchissons un peu. S'il vous plaît, pour tanga pour nga Jean 4, 24 et Jean 6, 63, bat pas monde. Jean chapitre 4, verset 24, David. Oui. Dieu est esprit. Oh, okay. Dieu est. Est esprit. Dieu est. Est esprit. Dieu est. Esprit. Sukawana. Maintenant, Jean 6, 63. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Okay. Qui va vivifier ton corps, la maladie? L'esprit. L'esprit. Et cet esprit, c'est quoi? La parole. Ah ben, mes paroles sont tes esprits. Dengina zo luba boy. Esprit ya liluba. Et c'est quoi ta nazo tu n'as? Amen. Version Lingala mon nouveau. Jean 4, 24. Nzambe azali elimo. Ok. Jean 6, 63. Eli monde epesa kabo moi. Monsuni ezali natina ata mon côté. Ata mon côté. Maloba oyo na lobi na bino. Ezali Eli mope ezali bomoi. Ezali Eli mope ezali bomoi. Parce que Zambe azali Eli mo. Parce que Dieu est esprit. Bandeko olingi nini susu. Que voulez-vous encore bien aimé? Yo aussi au télémisi esprit. As-tu déjà stoppé un esprit? Bah télémisa kayete. On n'arrête pas l'esprit. On ne stoppe pas l'esprit. La limitation ne connaît aucune limitation. Frontières géographiques. Il ne tient pas compte de frontières géographiques d'immigration. Frontières n'abino immigration. Il ne tient pas compte de ses frontières. Il va traverser. Toi qui me suis, tu te sens mal, je tombe. Et na libéré nguya ya molimo mosanto. Je libère la puissance. Et pénétrer écran yo. Et tout cela yango. Écoute la yo nanzoto. N'a pas mal les maladies yo so. N'a pas mal les oppressions yo so. Na lobeli yango et disparaître. Au nom de Jésus. Yamba lobe konayo. Au nom de Jésus. Malade wana ila kila mimabe. Malade wana ila kila mimade. Pasi wana ila kila mimabe. Pasi wana yalitoi. Boudemo wana elimo. Au nom de Jésus. Yamisu et disparaître. Na komo na Yesu. Na tolo elimo. Au nom de Jésus. Obiki sami. Na tanga kana yo na tanga angote. La moko a bikisami. Il y a une dame qui envoie son témoignage. Le fait que j'ai écouté la prédication, il y a une puissance qui est pénétrée en moi et du coup je suis guéri. Bah tu me souviens d'un jour semble après avoir mon téléphone. Aujourd'hui mon a dengue, bah démon baso manifesté à boire qui téléphone a croyé qu'on a musique mais n'a jamais eu dengue bah. Bonani, ozo benganangai. Quand na sali onini, awa ngai na umeli siko na kede wape. Mutuasi agasi akoi na se. Me nazo yo kadenge azo ganga. Ezo kota tina telefon. Me ngana za musika na telefon. Papa, makamboyo zambi na bisa azo au-delà de avancement technologie démoniaque na bango. Notre Dieu est au-delà des avancements technologie démoniaque. Na symbole ma boko na ngai. Je tends mes mains une fois. Ngozo yo kalilo boy. Que tu écoutes cette parole. Nguya zambe traverser yo aussi. Écoute la yo. Na kombo na Yesu. Tout ce qui ne marche pas, et ba na ko marche. Ba poto ye kangami na fungoli. Na kombo na Yesu Masia. Jésus. Amen. Et ça pamba te zambe lobi c'est notre année de miracles extraordinaires. Ozo mona ngope. Kamo ezo salema nanzela ya ekran bat bazo bika partout na mokili na Europe na Afrique partout ici penyoso bat bazo bika na ba corona les gens sont guéris de ces fléaux. Alors, je suis ton Dieu qui te guérisse. Pas que je suis ton Dieu qui t'a guéri passé. Je suis ton Dieu qui te guérisse. Présent continuellement. Actualité. Ma sobrane, katabale, colina, ma katatala, patala.
notre money bat son fibron. Ami son trompe bat son trompe babix ami. Tout monde bat fibron ba disparaître mystérieusement. Ils ont vu des femmes sans trompe qui ont conçu et enfanté, de ceux qui avaient des fibromes, des kystes, des myomes, et tout ça a disparu surnaturellement. La parole de Dieu est esprit. Battez les misaka esprit. On n'arrête pas l'esprit. Bastopaka esprit. On ne stoppe pas l'esprit. Ce qui a coûté quelque part. Quand elle pénètre elle verra ce pourquoi il a été sorti. Jean chapitre 4 verset 24 version parole vivante. Dieu est un être spirituel. Jean chapitre 6 verset 63 partie B. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. J'aime ça beaucoup. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. C'est-à-dire, nature ya maloba oyo nazo dispensé na minute oyo. Nature na ye zanini à communiquer. Ça fait partie de sa nature, caractère. À communiquer yo esprit. Le lenge na ye. À communiquer yo molimo. À communiquer yo esprit et vie. Yes. Biska liwa e batama na nzoto na yo bomo e koti liwa e kimi. Partout la mort est cachée dans ta vie. La vie entre. Na minute oyo mutu yoso azana maladie oyo ezo conduit à la mort na nzoto na yo na lobeli maladie wana e disparaître. Na koti si bomo e. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Oyo zo ko wa terema bana ko sala. Na kombo na Yesu. Na zo lobela yo. Yes. Ovani na mbeto. Na lobby au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande. Telemanasko. Obikisami. Tambola. Tambola. Kobangate. O kankolami. La parole sont de nature à communiquer l'esprit et vie. Dans le bananga, ezana le lenge ya kope sa molimo pepo moi. Sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. Les andes dans le langage à copier ça. Dengue zawana, esprit écoute lio. Dengue zawana, la vie écoute lio. Écoute lio. Adafena yo ezo kufa. Même si t'es na lopeli afena yo. Yamba bomoi. Afe wana yi yamba bomoi. Afe wana yi yamba bomoi. Au nom de Jésus. Makoso dobori atagabaya. Sunday bereke degeli kapalakatos. Mashe kapula tapalata pateli kapalatatos. Mengre degle mika lunde hilamaha. Brane kosi kapalatando somprode. Mengro salaba haya neme. Aya neme. Aya 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 kontalia kata. Paya nekeye. Eye maya ye ye yo 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 payata. Abaye kede gede. Je sens quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Et sobata kalamante. Kalamante palataba. E kalabaya tagabaya. E rosopo toporia. Ikapaya katabaya. Ege! Ege! Paya nekede. Yambalo bikonayo. Yambalo bikonayo. Yamba délivrance nayo. Au nom de Jésus, les royaux sont exaltés. Les royaux sont exaltés. Blocage sont exaltés. Stagnation sont exaltés. Au nom de Jésus, Ikabakaya taga. Akaya bataya. Mekaya taga baya tegede. Alléluia. Masobro zakadaba. Thank you, Jesus. Zambia lobelinga et kelkeps. Semaine ou mois avant confinement, jusqu'avant confinement, Ibanda lobi, Ngongao yonde na lina manifesté Ngolu oyo.
Amen. Na manifester conviction oyo. Yes. Ya surnaturel. Amen. Va amener mon peuple dans la connaissance des surnaturels dans tout aspect de leur vie. Par l'enseignement de la parole de la foi et la démonstration de la puissance de Saint-Esprit. C'est le temps. Bisikozali na libéré nguya molimo santu na ndako na yo. Et na décrété démonstration ya nguya molimo santu. Et ba na ko opérer bikamwa. Et ba na ko opérer signe de prodige. Au nom de Jésus. Yamba yango na kombo na Yesu Masia. Chambro stalia mashalabaya tagama. Ego posso prodia. Ezekiel chapitre 2. Hallelujah. Et ce brondori à la machouza. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2. Oh yes. Oh yes. Et rabassando pour sande bredi kapalatadus. Ambre ndengleni kapula masuzaya. Amen. Aya ne me keria patula ma ke chante le menendos. Brane katus kaledo sondo brone keli kapula masaturi à la machala. Shalende kelima murande keskeli amahura bashanta labaya. Ezo so prodi ala masuka palakato so. Il est écrit, c'est lui qui prie, Allah ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu, il dit des choses mystérieuses. Vous allez vivre la visitation mystérieuse dans Dakuna. Na kombo na Yesu Masia. Vous avez un problème d'accouchement. Ola la kate. Pour là, il y a un problème. Il y a un problème d'insomnie. Zambia lobina ibsayo. Aujourd'hui, au kola la ponkineti bébé. Au kangolamina démon wana. Au pikisamina oppression wana. Il y a insomnie. Au nom de Jésus. Et tout cauchemar et la kelami mabe. Na libéré présence ya bolimo monsantu. Yaba angelou. Na ndakuna yo. A partir de l'eau. Kimia. Bongi ya kimia. Yamba yangona komuna Yesu. Yamba yangona komuna Yesu. Zimbi loboko yo chena mutuna yo. Nguyawa na ikoteliyo. Opikisami okangolami. Opikisami okangolami. Au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel chapitre 2. Verset 1 et 2. Verset 1er, version d'Arbi. Et il m'a dit. Yes. Fils d'homme. Tiens-toi debout sur tes pieds. Oui. Et je parlerai avec toi. Verset 2. Yoka. Et comme il me parlait, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds. Et je parlerai avec toi. Parlerai avec toi. Nakoloba na yo. Nakoloba. Nakobibisa maloba. Verset 2. Et comme il me parlait, il me parlait. Azobibisa maloba. Metela makambo ekoti. Comme il me parlait, l'esprit entra en moi. Na minute oyo, molimo ya liloba oyo ekote la yo. Molimo ya liloba oyo ekote la yo. Molimo ya guérison ekote la yo. Molimo ya délivrance ekote la yo. Molimo ya épanouissement, ba porte verte ekote la yo. Comme il me parlait, l'esprit de cette parole entra en moi et me fit tenir debout sous mes pieds. Et j'attendis celui qui me parlait. Yango yozo la la wana na mbeju aliwa na commandé yo telema. Amen. Telema. Amen. Lève-toi et marche au bikisami. Amen. Kolanda raisonnement na yote. Kolanda makanisi wana te Satan na diabolo azo kotisa yo. Yesu Masia kangolo ya bikisio telema marche. Amen. Version français courant Ézéchiel 2 verset 1er. Oui. Il me dit, toi l'homme, mets-toi debout. J'ai à te parler. Oui, j'ai à te parler. Verset 2. Hein? Pendant qu'il disait cela. Pendant qu'il disait cela. L'esprit de Dieu me pénétra. Oh! L'esprit de Dieu fait quoi? Me pénétra. L'esprit de Dieu me pénétra. Na minito na symboli ma boko na ngali. Que la puissance du Saint-Esprit te pénètre. Et pénètre ndaku na yo. Et pénètre zoto na yo. Et pénètre makamu na yo. Yamba yango na komo na Yesu. Je dis reçois ça au nom de Jésus. Yamba pénétration. Yamba pénétration. Yamba pénétration. Yamba pénétration. Yamba pénétration. Na komo na Yesu. Yamba.
nom de Jésus. Alléluia. C'est ça la parole. Macho prade gabalaba. Efficacité de la parole. L'efficacité de la parole. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est efficace. Ne blague pas. La parole de Dieu est efficace. Version Lingala Monde Nouveau. Verset 1. Pe alobaki na ngai boye. Mwana ya moto. Mwana ya moto. Mwana ya Dayo Samuel. Yes. Telema na makolo na yo. Oh. Pona loba na yo. Pona loba na yo. Verset 2. Pe elimo ebandaki kokote la ngai. Tango kaka alobaki na ngai. Elimo ebandaki kokote la ngai. Tango kaka alobi. Tango kaka alobi. Tango abandaki koloba. Elimo pe ebandaki kokota. Yoka denge ngai pe na zo loba. Zokota, Nalobi Yamba Lobiko, Yamba Deliverance, Yamba Porte Ouverte, au nom de Jésus, Tango Kaka Banikoloba, Limo, Écoute Lingai, l'esprit pénétrant, Bananzambe, enfant de Dieu, si ma déconfinement, après déconfinement, ils ont congé un miracle. Extraordinaire. Il y a somme à travers de la parole. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé de vous préparer. Dans le livre de Matthieu, il y a une série. Et ça pour nous préparer, Bino. C'est pour vous préparer. Parce que déjà, dans le lobby, depuis que la loi, il y a des gens qui ont mis en mokili. Et ça, en cause, ils ont mis en mokili. Et copima, il y a un gros qui a commis. Depuis plusieurs années, j'ai déjà dit il y aura des lois qui seront promulguées et les voilà. Mais je suis ici pour te dire. Et loco mon côté. Rien. Et coco stopper écoulement yanguya ya liloba ya Zambe. Peut stopper l'écoulement de la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Parce que Dieu a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Amen. Sa parole aussi. Sa parole lui représente totalement à 100%. Et la parole devenue chère. Lingala lobi et liloba a commis Moussouni. Ce qui a commis Moussini a comme réussite. Amen. Amasho nobo sakate le mendes. Brane kaluba shata balaka. Agrane kepe de gele bekoshiaba. Abatobo. Ne kokobo sanate. Zamba lobi sansa oyo. Dieu a dit ce mois-ci. C'est contradictoire. Et le bazolika. Bazolinga. Ba monde tenez bazo préparer ma kamuna et mesambe à lobby et za sansa ya victoire. Amen. Ba oyo ba botamina zambe ba longa kamoki. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Naye ko annoncer et longa isa ya biso. Et longa isa ya RDC. Et longa isa ya RDC. Ba mataba kita et longa isa ya RDC. Au nom de Jésus. Toi qui fasses la victoire appartient à la République démocratique du Congo. La nangae. Suivez-moi. Okoyo kama kama mkolo. Tu entendras certaines choses. Atiki nasiza na efficacité des paroles na kopanza. Mwana nga moko atumbolinga lobi, atumbolinga. Abi papa pourquoi tozo vivre toutes ces choses? Pourquoi biso banwa? Pourquoi? Nalbi ah yo yo mosali azambe ozo tunanga yo yebi eloko yote. Ne sais-tu pas l'origine de tout ça? Na pesi ka révélation moko atomboki na place albi papa. Azana mboko yote azali libanda ya mboka. Mais atomboki alobi na bandiko toka place nazali. Na komi liboma na za révolté. Na c'est que yo yebite ke problème ya biso batu mwindu eza kaka parce que toza race ya Abraham et Yesu Masia. Abimina race linéa ya Abraham. Amen. Amen. Et Abraham c'était noir. Et après Abraham azala ki moto mwindo. Ba caractère biblique wana yonso baza ba noir. Tous ces personnages bibliques étaient mais ba médiatisé biso depuis l'enfance ko talisa biso ke mindele non.
Ce n'est pas du racisme, c'est la révélation. Mais si au lobby problème pour nanini nom noir noir, OK. Jésus a changé combo ya ba disciple na mi balé a bengi bango les fils de Boanerges. Boanerges, OK Boanerges. Et na lingala ba bengambo bana kake. C'est ça. Tu connais tuni na lobby depuis yo botami yo so moni ba mindele ba beta kake. Banani ba beta kake ba koko na biso so puna koyebisa oke Jack na nini ba fils ya bwana Jess ba za ba tu muindu biso nde to beta kake ba siliki ba FC Yesu Yesu masia ba zo pekse o kote na village hein tika tu beta kake e uta likolo e po mabango Yesu alobi te bosa la bongote my god Yesu apekisi bango tanga ligalabi bana Banane babeta kake. Bayindu. Oye bake ba disciple baza bayindu. Yesu pe. Sozo yoka. My God. So pitumba yoso yangoyo. Barras ya serpent. Barras ya serpent. Benge yeso abeng bango. Bino barras ya serpent. Bango ne bazo combattre barras ya Abraham. C'est la race du serpent qui combat la race d'Abraham. Et ça pitumba entre lumière et ténèbres. C'est la guerre entre la lumière et les ténèbres. Jesus. Yango umuni alubina ko pambola descendant ya Abraham bisika yonso ba noa bazar richesse etondi na mabele. Amen. Yango Afrique est le plus riche continent. Na sambeli ba konzi Afrique ba yo kama kamoyo. Amen. Bituma na biso ya ngwana. C'est ça la source. Et ça bituma ya esclavagisme toujours. C'est toujours. Na style mususu. Sous un autre style. Parce que toza race ya Abraham. Parce que nous sommes de la race d'Abraham. Banani bache kingo na bache ba memi bango ba banani bache bango juk na kingo ba meni bango juk de fer ba memi bango na esclavage selon Deutéronome 28 verset 48 banani ba mindele ou même batumunyu et banani wana bana Israël le peuple d'Israël akoko na biso biso ne bana kake ce sont nous les fils des tonnerres ennemi ya Congo. Ennemi du Congo, ennemi Afrique, c'est kake ya Zambe et pete la bango. Ma belle fungwa ma aime la bango. Na koma na yes. Amen. Yes. Toza race ya Abraham. Nous sommes de la race d'Abraham. Voilà pourquoi tout cette yangwana nde bitumba oyo nyoso. Makambo oyo za spirituel koleka physique. Ces choses sont plus spirituelles que physiques. Mais beaucoup ne comprennent pas. Kasimini bazali ko sosolate. Batata na biso Simon Kibongo ba yebi yango. Yeah. Nos pères comme Simon Kimbangu savaient ces choses. Asho prade. La nanga semaine kuna na ko panza yonso. Suis-moi la semaine prochaine, je vais dire. Noir sous blanc. Na polele. Na ko memayo na lo bazami tina Nouveau Testament. Nous allons voir dans la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Nous sommes race d'Abraham. Bisonde bana ya Abraham. Yangunde bituma l'homme noir. C'est ça la source de tous les problèmes de l'homme noir. De lignée na ye spirituelle. Bona ko kitani na ye ya molimo. Maso prade galabashande. I'll be fils de Jérusalem. Abi, je suis noir et je suis belle. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Je suis noir et je suis belle. Alléluia. Pour savoir que Toza. Bana Abraham. Nous sommes la descendance d'Abraham. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Praise the name of Jesus. Amen. Nabanzi opambolami. Je pense que tu es béni. Nako clôturer. Je vais clôturer ici. En ces mots. Que parole de Dieu, ce n'est pas seulement un esprit. Le bananza mazara a mon mais la parole a la capacité de vous bâtir. Le bananza bazana makoki ya ko tonga bino. Ezana ingrédient na katinaye.
bâtir santé, bâtir tout de ta vie. Si on va y prendre garde. Acte des apôtres 20, 32. Acte des apôtres, chapitre 20, verset 32, version Darby Gelly au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui est la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Alléluia. Qui a la capacité? Capacité de vous édifier et vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Liloba oyo eza na nguya ya ko bâtir yo ya ko pesa yo héritage. Tanga version mususu. Version parole de vie. Verset 32. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire, l'iloba ya zambe eza na capacité ya ko construire. Eza la communauté, eza la destinée na yo. Il a la capacité de bâtir, pas seulement bâtir et ko kote sa yo na kati ya héritage na yo. Lingala monde nouveau. Verset 32, acte chapitre 20. Pe sikoyo nazali kotika bino na maboko ya Nzambe pe na liloba ya boboto monene na ye. Liloba oyo ekoki kotonga bino pe kopesa bino libula na kati ya ba oyo nyonso basantisami. Liloba ya Nzambe ezana ekoki kotonga bino. Ekoki kosala nini? Kotonga. Ekoki kosala nini? Kotonga. Oyoki yo mokoda Lingala. So liloba ya Nzambe eza na capacité ya kotonga. Kotonga yoso eza posa ya mutema na yo. Bâtir tout ce qui est désir de ton cœur. Avenir na yo. Ton avenir. Destiné na yo. Ta destinée. Liloba ya Nzambe, la parole de Dieu, akoki kotonga yango. Peut la bâtir. Version les livres. On parle de l'efficacité de la parole. Acte 20, verset 32, version les livres. Et maintenant, je vous confie au Seigneur, à ses soins et à ses merveilleuses paroles, capables de développer votre foi et de vous donner pleinement l'héritage de tous ceux qui sont mis à part. Capables de développer votre foi et de vous donner pleinement l'héritage de tous ceux qui sont mis à part pour lui. Dès que ozo landa liloba, ozo tosa liloba, ils ont la capacité ya ko bâtir yo et ya ko pesa yo héritage na yo. Amen. Ils ont réservé pour na yo. Amen. Oko kota na kati. Ka denge a promis ta ki bango Kana. Dès qu'il avait promis Kana, et suka, en fin de compte, a kotsi bango. Et il les a fait entrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lelo. Dieu peut te faire entrer dans ton destin. Et la parole que tu écoutes. Eza esprit. Elle est esprit. Eza pambate. Ce n'est pas. Eza na capacité ko sala yonso. Elle a la capacité de tout faire. Soki yo okotambola selon yango. Si toi tu peux te conformer à elle. Yango na Deutéronome ayebisi bango alobi na Deutéronome 28 wana. Il parle de les enfants d'Israël. Si vous allez me obéir, si vous allez me obéir et faire tout ce que je vous commande, alors les premières nations parmi les nations du monde. Je vous bénirai. Vous serez béni parmi toutes d'autres nations. Deutéronome chapitre 28 verset 1er, Darby.
Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, oui, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, oui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra très haut, uh-huh, au-dessus de toutes les nations de la terre. Uh-huh. Verset 2. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, chapitre, verset 15, sorry. Verset 15, chapitre 28, toujours verset 15. Verset 15. Et si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Ok, toutes ces malédictions. Parce que dans la malédiction, on a yoka. Désobéissance n'est commis, c'est besoin d'un niveau de commis. Yeah. La parole a la capacité de vous bâtir. Et à cause d'un héritage, ce qui est au temple, là, c'est aussi, dans l'obéissance. Maintenant, verset 48. Verset 48. Yes. Dans la faim et dans la soif et dans la nuit. Banan 44. Verset 44. Il te prêtera et toi tu ne lui prêteras pas. Il sera à la dette. Voilà, conséquence, il y a deux obéissances. Hein? Yes. 45. Et toutes ces malédictions viendront sur toi. Oui, ok. Et te poursuivront et t'atteindront, mm-hmm, jusqu'à ce que tu sois détruit. Mm-hmm. Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Parce que tu n'as pas écouté la voix de ton Dieu. Hein? Pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Ah. 46. Et elles seront sur toi et sur ta semence à toujours, comme un signe et comme un prodige. Uh-huh. 47. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, à cause de l'abondance de toutes choses, tu serviras dans la faim et dans la soif et dans la nudité et dans la disette de toutes choses. Tes ennemis. Que l'Éternel enverra contre toi. Toujours servi par ennemis. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans 48? Verset 48, c'est ce que je viens de dire. Oui. 49. L'Éternel amènera contre toi, de loin, du bout de la terre, une nation semblable à l'aigle qui vole. Une nation dont tu n'entends pas la langue. Une nation au visage dur, qui n'a pas égard au vieillard et n'a pas pitié de l'enfant. 51. Et elle mangera les fruits de tes bêtes et les fruits de ta terre jusqu'à ce que tu sois détruit, car elle ne te laissera des restes ni froment, ni mou, ni huile, ni portée de grain, ni accroissement de ton menu bétail. Parce que tout ceci a mis la vie sauté. Parce que nous n'avons pas obéi à notre Dieu. Yango alobi, bakoya kotia biso juk na kingo, ba membiso na esclavagisme. Banani bati depuis histoire ya mokilesa, banani bati juk na kingo na bango, batu mwindo. Ce sont les noirs. Soki to ozongi la Zambe, ezan lobana ye ezana capacité ya kobatir biso. Alléluia. Tanga pona ngai lingala. Lingala mambu. Apatia verset 45. Lingala mon nouveau verset 45. Pebi la kelimabi mabe oyo nyonso e ko kitela yo. Non, zonga zonga ko totala, totala. Eza bien totanga apatia verset 40 43 omona ba conséquences et les autres omona ngo. 43. Verset 43 lingala mon nouveau. Moto oyo afandi mopaya oyo azali epai na yo akomata se komata likolo na yo nzoka nde yo okokita se kokita na se. Ozomona problème na biso elelo bazo ya bapaya wana bazo ya bango moko ozo comprendre c'est ce qui se passe yango nezo sale na mboka ya Afrique yonso. 44. Azomata biso moko tozokita soki tokosongela Zambe, Zambe akotombola biso tozongi puissance mondiale. 44. Yende moto akode fisayo nzoka nde yo okode fisayete lelo bazo defisa ba banani biso aske biso tozo defisa bangonde bazo de continue akokoma moto nzoka nde yo okokoma mokila. 45. Pe bilakeli mabe oyo nyonso ekokitela yo pe ekolanda yo pe ekozwa
ekozoyo kino okosila pamba te oyoka kite mongongo ya Yehova nzambe na yo geneti na graduate papa elingi koloba kopate la mitindo na ye pe mibeko na ye oyo apesa kiyo 46 pe yango ekokoba kozala likolo na yo na bana na yo lokola elembo ya likamwisi ya komonisa makambo oyo ekoya bona tango oyo etiami ndelo te 47 pamba te osalelaki Yehova nzambe na yo na nsai te mpe na esengo ya motema te mpo na kotonda na biloko nyonso soki tozosalela nzambe te na ndenge ifo tootikala kaka boye 48 mpe banguna na yo oyo Yehova akotindela yo okosalela bango mpenza na nzala na nzala mpe na posa ya mai na poso kuna eske bango baza na nzala no nzala eza kaka awa na afrika supoi bake biso nde ba yuda mais richesse yonso eza awa le plus rich continent c'est afrika et le plus rich pays c'est congo continue 48 mpe banguna na yo oyo yehova akotindela yo yo okosalela bango na nzala mpe na posa ya mai mpe na bolumbu mpe na posa ya eloko nyonso mpo na posa ya mai na bolumbu kende na est kende partout kende na bavest okomona bato presque azolata eloko te mwana azolata colote azotambola la gomme vert kote oyo la gomme rouge kote oyo mosusu la gomme te azotambola ka mutakala mwana mobali 6 ans 8 ans eloko te ça c'est la complexion oza toza bayuda mais mokolo tokozongela zambe na biso bosolo tozongi likolo amen continue c'est sa place wana bandela 48 mpe banguna na yo oyo yehova akotindela yo okosalela bango mpenza na nzala mpe na posa ya mai mpe na bolumbu mpe na posa ya eloko nyonso mpe akotia mpenza ekanganeli ya ebende na kingo na yo ekangelami ya ebende na kingo na yo akotia mpenza ekanganeli ya ebende na kingo na yo kino akosilisa yo depuis totanga classe histoire banani batie ebende na kingo na bango bato mwindu sedadi toza ba israelite bakosa yo te na bamedia na batelevizion abraham mundele anya jacob eza lukuta toza bayuda et problème na biso monene yango wana toza race ya abraham linie yesu abimi eza bitumba etre ténèbre et lumière nous sommes de la race d'abraham la lignée dans laquelle christ est sorti ba race ya luciférien wana ba race ya vipère bazobundisa ba race ya abraham et cette race de vipère tomba la race d'abraham tofungu la miso ouvrons les yeux tozala mayele soyons avisés alléluia amen c'est la guerre isaïe tumba entre la lumière katia et les ténèbres mais suka pole alongaka en fin de compte la lumière finit par yesu alonga ki satana na ekulusu christ a vaincu le diable à la croix tozar bayuda nous sommes les juifs biso bana nkake nous les fils de tonnerre bango bayeba kobeta kakete biso bakoko na biso babeta kakake boyeba ke jack na zebedi bazaba nani bayuda batu mwindo yes. na tata yesu alobi boyebi te nguya boza nango boyebi te molimo bosala ngo te abondeli bango mpo batelemisi maître na bango basiliki me bazopekisa yo kota awa tika tobloksa kake awa yes na minute oyo maintenant na nokisi kake ya zambe amen likolo ya ennemi ya destine na yo likolo ya ennemi ya congo likolo ya ennemi ya afrique kake enoka likolo na bango na kombo na yesu masia amen mission na bango ebaluka contre bango que leur mission se retourne bakoka koko reisi yango te au nom de jésus christ de nazareth Deutéronome 28 autant à 32. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? La parole a la capacité de vous bâtir et de vous donner un héritage. Si nous allons obéir, à cause du manque d'obéissance,
obéissance, à cause de la désobéissance, yango bayuda lelo bakomi esclave. Likola kozanga botosi bayuda bakomi baumbu. Ba esclave bakomi ba maître. Baumbu bakomi bakonzi. Balobaka ngo Afrique le berceau de l'humanité. C'est clair. Mais nazo prophétiser aujourd'hui. Je prophétise aujourd'hui. Bâton, ils ont changé. Nalobi bâton, ils ont changé. Amen. Yes. Thank you, Jesus. Yes. C'est ça, papa. Deutéronome 28, versets 32 et Amen. 48. Amen. Vos fils et vos filles seront livrés à un peuple étranger. Merci. Vos yeux s'épuiseront à force de guetter leur retour jour après jour, mais vous n'y pourrez rien. Ok. Vos fils ou vos filles seront livrés à un peuple étranger. Port yako sorti moko ezana boma moko na Lagos moko na Benin moko na Ghana moko na Sénégal port ya sorti ba memi ba koko na biso ba kina bango selon prophétie yo prophétie yo Deutéronome za codé mais nazo te codé en opona yo oui ba ke biso nde ba Juda ba Israeli mais ba zo utiliser média ko ko che confusion depuis enfance depuis maternelle alors ta za biso Abraham de il t'a dit ces choses. Mais gars, nous avons prouvé. Non, c'est l'année de la semaine prochaine. N'a pas bandé là. Yes. N'a pas pensé à nous. Amen. Pour y avoir source, il y a problème là. Afin que tu saches quelle est la source de notre problème. Bon, mais quand il est occupé, n'a pas de quoi voyager ou mais quand on kakaawa. C'est ça. Yes. Alléluia. Verset 48. Vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim et soif. Vous manquerez de vêtements et vous serez privé de tout. Bazo monayon soawa, privé de tout. Bana biso musu bazo lata kalesan kutute. Bilamba yon so ezuluki. Otali suki na ye neti potopoto no no otali no no yoki mutima passe. L'Éternel placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce qu'il vous ait détruit. Un joug de fer. Kaka de to tangi na histoire. Ba memi ba koko na bziango ba wana ba tondi na ba États-Unis ba noir. Ba tondi na Brazil. Ba tondi na Jamaïque. Ba tondi partout na mokili. Alubi boko sala dispersé partout na mokili. C'est ça. Mais ngonga izo ya ba yuta ba kozonga. Amen. Ngonga ye. Père Asenel. Ba kozonga moko na moko. Ils reviendront l'un après l'autre. Masombra ndege dia. Deko na sambeli pona yo. Je prie pour toi. Yamba ya yo posa ya mutema na. Reçois le désir de ton cœur. Na kombo na Yesu. De tout mon cœur je vous bénisse. Na pambo libino na mutema na ngamo. Parce que ngonga na ngai seke. Je vous bénisse de tout mon cœur. Na pambo libino. Que la bénédiction de Dieu réside chez toi, dans ta maison. Na commission intouchable et invisible. Je te rends intouchable et invisible. 1000 tombés à gauche, à côté, 10 000 à droite, et coco milayote. Amen. Vous êtes préservés et protégés. Et n'a proclamé que cet mois ici de juin est un mois de victoire pour Nabiso. Amen. Na combo na Yesu Masih. Au nom de Jésus. Tout sambeli. Amen. Amen. À la prochaine. Nambala sima. Kozangate. Ne manque pas. Chaque mercredi à 10h. Vendredi à 17h. Dimanche à 7h. Et puis barre division et lundi. Ozana témoignage en tout cas. Et que la malade te pona Yesu Masih a soki au bombi ango. Partagez na biso tinda audio ou vidéo. Poto partagez ango na bande ko baye ba ke Yesu Masih a kufite a zana bomoi. Ciao, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Pete la Yesu maboko makasi. Bonjour. Papa, tu es vraiment ma camboumo quoi, ouais, c'est comme il en aille. Papa, tu es ma camboumo quoi, dimanche là, lundi, bon, Nazaki vraiment guéri. Donc, comme Nathan d'Araba Voice, donc il va vouloir que ça n'ait rien à n'importe où. Donc, il a aussi ma tête Nazaki, que sa prière à papa. Donc, il nous a passé les miracles pour nous. Donc, il nous a passé Samuel, Azala, Aoumila, Pé Aoumila. Donc, nous avons encore un peu de temps pour profiter
babilo ke biminga nzoto esenga rouge na nzoto bambuma nzoto mobimba me nzamba papa de Samuel abimisi loba moko boye nyonso o basema ki na nzoto na yo o basemi na kati nzoto na yo okangolama tongo ya lundi prière ya dimanche nga na kangolama alors na yeko remercier nzambe ya papa na nga da Samuel Eza Jenny Vangu nazala na matadi metta nazala kin kuna makambu oyo donc nzambe papa nanga dans Samuel aoumela nzamba batela ye donc azala toujours ye nzambe protéger na makila na Yesu azala toujours papa pour na biso donc nzambe na ye azala toujours nzambe papa dans Samuel Betela Yesu maboko makasi Tikana prophétiser na vie na. Nasa kwela na bomo ina. Bista balinga bazo kufa ko kufa te. Eloko epomi tata na yo ko poma yote. Eloko epomi mama ko poma yote. Ya ye. Le chou e chakreche. Botiri. Kwasa kwa. Ako ye ba ye. Que la vie est spirituelle. Ngo ye zo bolibo. Et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Va commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bat la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batuba isapa makambo ya tenyewa.